Bonjour à tous, la Minute BD est de retour pour une nouvelle saison, retour à Rouen avec un coup de cœur qui fait l'unanimité chez les libraires. Alors c'était très difficile parce qu'il y a trop de coups de cœur en cette rentrée qui s'annonce absolument magnifique, mais il a fallu en choisir un. C'est Les Indes Fourbes de Erol et Guarnido. Donc il faut savoir que Guarnido c'est le dessinateur de Black Sad et Erol c'est le scénariste de Cap et de Croc et de Garulfo. Donc deux pointures ensemble qui nous font un album absolument dantesque, rocambolesque et dans un esprit picaresque. Voilà, c'est les Indes. Les Indes, c'est les Amériques, hein, à l'époque des conquistadors. Et on va suivre un Godeluro qui va essayer de faire fortune là-bas. Et le roman est construit, enfin, je dis roman parce que vraiment, c'est une narration qui est tellement puissante. C'est construit en trois chapitres qui se répondent. On est un peu dans un esprit à la Usual Suspect chez les conquistadors. Donc, dans le premier chapitre, le narrateur, le personnage principal, raconte une histoire à un personnage. Dans le deuxième chapitre, ce personnage va agir en par rapport à ce qu'il a entendu dans le premier chapitre. Et le troisième chapitre, c'est la vérité. Et là, tout s'éclaire et on n'a qu'une seule envie, c'est de relire l'album, parce qu'on s'est rendu compte au niveau de la lecture qu'il y avait des petites choses bizarres qui renvoyaient sur d'autres choses. Et quand on arrive à la conclusion, on se dit « Ah ouais, quand même !» Donc là, il faut vraiment revenir en arrière. On ne change pas les bonnes habitudes, c'est une minute et pas une de plus. N'oubliez pas que vous pouvez gagner ce titre sur nos réseaux sociaux. La Minute BD revient la semaine prochaine.